En train de faire un test encore. C'est ça. Il parle beaucoup ce DJ quand même. Vous savez quoi, moi quand j'étais jeune, je voulais devenir DJ. Bon, on a appris DJ ta sœur, parce que ben voilà, il fallait un DJ et nous on devait animer devant. Donc comme DJ ta sœur ne peut pas venir là. En fait, DJ, ta sœur là, apparemment, tu serais un des meilleurs DJ de Polynésie? Non. Ah si, ce qu'on m'a dit, enfin non, ce qu'on entend faux. quoi. Il y en a pas mal des DJ C'est en la première Polynésie. fois que vous me voyez, non? Non. Havari. Et il est bon? Havari. Non, faux. Il n'y avait pas beaucoup de monde hier soir. Hey, mais moi, DJ, c'est pas un travail, DJ. J'ai attendu les papiers, les mamies. Hein. Ça, c'est un travail. Par au peu. À mon brouette. Ouais, mais non, on est houpé, houpé. Les DJ. Ah, les DJ. On fait que la musique, hey, tout le monde. Le travail de DJ, mais moi. Il y a juste à patin la musique là, patin la musique là. Mais au Riero. Hein? Faux. Tout le monde peut le faire, c'est pas vrai? Tout le monde peut le faire. Ah. Même moi, je peux le faire. Et je te provoque en duel, DJ ta sœur. Moi, je peux aussi mixer. C'est vrai? Bah, mais cool. Allez. Battle? Vous voulez une battle? Non, non, non. Et c'est que ça, enfant? Vous voulez une battle? Non, mais j'ai rigolé. Ah, ok, je savais. Donc, c'est moi le meilleur. Battle? Battle? Battle. Vous voulez que je mixe? Vous allez voir, moi, DJ, c'est facile, hein? Mais ok. Bon, pousse-toi, pousse-toi. Ok. Pousse-toi. Non, non, montre-toi d'abord. C'est ça. Vas-y, montre un coup. Ok. On y va. Vas-y, vas-y. C'est là-bas. On la connaît dans le quartier. Hey. Ouais, je vais faire, tu m'assois, je te regarde. Pousse-toi. Lui, c'est un professionnel. On va voir ça. Allez. C'est facile. Hein. Attends, tu fais un truc comme ça là, j'ai vu. T'as besoin d'aide. Pousse-toi. Tu me dis. Je sais, hein, moi. Et en plus, tonton Raïl a oublié que c'était mon ordinateur. Il connaît rien. Attends. Ah. J'ai pas mes lunettes. Allez, prends ton temps. Ne prends pas ta dit, mais on tue ton tonton. Allez. Ok. C'est bon. Ouais, j'ai. C'est ça. Comment après, tu fais comme ça? Non, je sais pas. Après. Le meilleur, c'est DJ Ney, n'est-ce pas? Eh, hey, vous avez dit que c'était moi le meilleur? Ah, ok. Okay. Attends. Tu as bu où déjà comme ça? Nul! C'est nul! C'est mon neveu de 8 ans là qui fait le truc. Mais comment tu fais le son déjà? Ah, je sais pas. Eh, c'est lui là? T'es bien d'accord, hein? Ouais, c'est facile, c'est facile. C'est pas un DJ ça, c'est quelqu'un qui va paroler peu sur la plage. Ah, il est pas haut même. Je dis ça, je dis bien. Il est pas haut. Vous roulez là? Ouais, c'est pas un DJ. Vous roulez là? Ok. Attends. Là, t'as déjà perdu ton client, frère. Non, non, mais c'est. Moi, j'ai pas de client, en tout cas. Je suis pas comme toi. Ok? Alors que Mamout Baha. Il est en train de se perdre là, dans l'ordi, là. Non, regarde, c'est facile. J'ai fait comme ça, comme t'as fait. J'ai regardé. Ok? J'appuie là, comme ça. Eh, c'est long, hein? On va le mettre dehors, c'est trop long. Allez. Non. Sors, t'as perdu. C'est moi qui a gagné ce soir, n'est-ce pas, DJ ta soeur? Voilà. Et où nous, DJ ta soeur? Non, écoute, comme ça, quand même. Hey!
cheval. J'ai réussi à mettre une musique quand même ou deux. Oh, quand même. Respire. C'est pas mal quand même. Il a assuré, hein, ta pareille. Si. Vous pouvez l'applaudir. DJ Ray. Mec, il travaille toujours à la plage. Ah, c'est moi qui a gagné. Hein. Ray. Ray. Chapeau. Hein. J'ai vu des nouveaux DJ, c'était pas trop ça, mais là, parfait. Hein. Franchement, t'es pas mal, hein. T'es pas mal. Donc, mais je suis sûr que tu t'entraînes. Mais la prochaine fois, si tu. Pas possible. Un conseil, tu m'appelles. T'es quand même DJ ta sœur, un bon DJ. On peut l'applaudir, DJ ta sœur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Retenez bien ce nom-là, DJ ta sœur. Il est fort, mais après moi, bien sûr. Et puis, c'est moi le boss, c'est toi. C'est cool. Non, ça tombe bien, je te cherche, tiens. Comptable. Comme dame, on me cherche parce qu'il faut aller ramasser les preuves. Ouais. Comment t'as deviné? Comment j'ai deviné? Comment j'ai deviné? Dans ta bouche, t'entends, il y a tout le temps preuve. N'importe quoi, c'est faux. Il y a aussi Nono, preuve. Voilà. De toute façon, tu sais, le jour où tu viendras me voir et que tu me diras Nono, tu veux pas aller en vacances? Non. Tu veux pas qu'on aille pique-niquer ensemble? Ça, oui. Ok. T'es arrivé, toi? T'es fou, toi? Puis des vacances, mais n'importe quoi. Les vacances, déjà, tu peux faire une croix dessus. Okay. Pourquoi? Parce que t'es trop jeune, t'as tout le temps. Quand t'es jeune, faut travailler d'abord, après vacances. Comme ma maman, là, ils sont là, ils regardent le spectacle, ils sont en vacances maintenant. On appelle ça la retraite. Hein. Voilà. Ok? Donc, c'est bon. Puis d'ailleurs. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? À part paroles et peuples, chanter, tu sais faire autre chose? Ouais, moi, avant, je voulais être pompier. franchement, oh, pompier. Alors là, tu me fais rire. Non, mais pour être pompier, bébé. Et vous rigolez? Ben oui, hein, pour rigoler, hein. Forcément. Voilà, c'est ce que je disais, pour être pompier, il faut être shape. Ah, shape. Non, pas chape. Shape. I'm not a shape of you. I'm not a shape of me. Ouais. Tu vois, ça, c'est un vrai travail. D'ailleurs, tu aurais dit, c'est pas pour toi, en tout cas. Par contre, il y a un travail qui. Oui, c'était ça. Le travail que je pensais tout à l'heure pour toi, c'était. Ils ont embauché pour le recensement cette année. Le recensement, maintenant, vous connaissez le recensement, là, le Peyoratata, hein. Bonjour, je suis le recenseur. Non. Combien vous vivez dans la maison? Vous avez une maison? Ah oui, vous avez un ordinateur, un internet, voilà, tous les trucs comme ça. C'est quoi ça? Le recensement. Recensement. C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est savoir le nombre d'habitants en Polynésie. Il y a toute la Polynésie en ce moment. On a compté les gens. Ok, je vois. La femme hier, elle est venue me voir, elle a dit, je vais te recensement. Ok? Non, mais il y a une femme qui. Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est pas recensement, c'est recensement. Ok, recensement. Ben elle est venue me recensement. Quoi? Oui. T'as été recensement? Mais t'étais pas là! Et moi, pourquoi j'ai pas été recensement? Tu sais? Voilà. Pourquoi j'ai pas été recensement? Voilà l'attitude, je savais que t'allais réagir. Pourquoi j'ai pas été recensement? T'as été calme! Comment ça se fait que j'ai pas été recensement moi? Eh, tu sais quoi? Oui. T'entends? Oui. Je savais que t'allais réagir comme ça. Comment? C'est pour ça que je t'ai prêt. Pourquoi on a écrit à toi et pas à moi? C'est pour ça, écoute-moi, hein, que j'ai fait une photocopie. Elle est là. Enfin, pas là, là. T'as répondu à ma place? Ouais, et j'ai même eu tout juste. Elle a dit, tu as A+.
T'as répondu à ma place. Oui. On peut pas répondre à la place des gens. On peut pas répondre à la place des gens. Et pourquoi t'as répondu à ma place? Attends. Pourquoi c'est pas complet? J'avais faim. Fais attention, Béo. Hein? T'as maroulé sur le mort parce que. Hey. Voilà, voilà. C'est pour les pourrières, ça. Hey. Voilà, recensement. Ok, recensement 2017, Polynésie française. Okay. Ouais, ouais. Nom, oui. Raï, oui. C'est bien. Prénom, Raï, oui. Raï, quoi. C'est bien. Ouais. C'est... Voilà. Date de naissance, 24 août 1945. 45, oui. Non. Ben non. Ah, ça veut dire que j'ai 72 ans, j'ai pas 72 ans, moi. T'as pas... J'ai 30 ans, je suis jeune, regarde, est-ce que je fais 72 ans, moi, non. T'as 30 ans. Quoi, ça t'étonne que j'ai 30 ans? Regarde. Non, mais à ma regard, tu parais vieux. C'était une blague, t'as dû louper. Quel de... Hey, moi, quand les gens me voient, ils me disent « Ah, tu fais jeune. » Ah ouais? T'as ouais, là, 40 ans d'écart. 72 ans. Bon, la suite. Alors, où vivez-vous? Chez les Papous, oui. Nouvelle-Guinée, oui. Ou Fidji, ou chez les Kanaks. Enfin, des pays où les gens sont noirs. Sont noirs? T'as cru que j'étais noir? Eh, j'ai pas noir, moi. Non, mais... Non. T'as cru que j'étais noir? Eh, j'ai Fidjima, là, Kanakima, là. Ils ont... Mais eré, charbon. Comme ça. Eré, tra. Ça, c'est eré. Ça, c'est métissé. Métissé. Et attends-toi, attends. Attends. Eh, c'est métissé, ça, c'est pas eré. Ça, c'est eré. Attention. J'ai les noirs. Ok. Après, quelle est votre profession? Oui. Extra. Oui. Non, parce que tu vois, ça va dans les deux sens. Tu fais un boulot extra et c'est en extra. B. Oui. On m'a demandé mon travail. On m'a pas dit comment il était mon travail. Ah. Ok. J'ai mal à la tête. Ah. Il faut. Je parle plus. Voilà. T'as ressourcé à ma place. Bon, après, vivez-vous seul? Ah oui, oui, le pauvre. Oui, je sais. Oui, le pauvre. Mais tu sais, un jour, tu mais pourquoi tu... Tu trouveras une femme. Mais pourquoi tu pars comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en dis tout comme ça? Non. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu... Je suis pauvre, moi? Non. Allez, où la feuille originale? Donne-moi la feuille originale, dépêchons. La feuille originale, là, il faut corriger ça, c'est faux. Écoute, dépêchons. Hey, tu vas rire. Non, je vais pas rire. Non, tu vas pas rire. Dépêchons, un petit. Ok, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la... Habituellement, on dit la bonne nouvelle. Avdi, l'original de ce papier, Avdi. La mauvaise. La mauvaise, c'est que la femme, elle a pris l'original. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle va le donner dans 30 minutes à Tavana. Hein? Ah, non! Mais non! C'est faux! Parle, mettra papier, Héroïdo. Comment elle s'appelle, la dame? Comment ça? Ah, c'est marqué là. Oui. ISPF. C'est ça. Madame ISPF, c'est ça. T'as le numéro, il y a ta ISPF. Là, elle va. Là, ça va bader. Ça va bader, tu vas voir. Votre correspondant est déjà en ligne. Eh oui, c'est occupé. C'est occupé, hein. Tiens, attends, tu vas voir mon travail, SPF, là. Je commence. Ah, ça va chauffer, là. Tiens, pas un numéro. Hein? C'est un grand numéro, SPF. Oui. Bonsoir. Je parle doucement parce qu'il y a du monde, je ne veux pas déranger les gens. Bonsoir. Bonsoir, madame ISPF. Ah, t'es à tout. Oui, bonsoir, madame ISPF, c'est monsieur RAI. Ouais. Je vous appelle parce que... Voilà, vous avez fait le recensement de mon neveu hier.
Voilà, vous êtes passé à la maison, j'étais pas là. Et lui, il a répondu, mon neveu de... Non, non. Ah non, pas Néo, Néo. Non, non. Ouais, voilà, c'est... il est grand un peu... C'est sérieux. Voilà. Voilà. Voilà, donc je... voilà, c'était le truc, c'était de ramener ma feuille, parce que c'est faux, l'original, il faut changer. Maman, mais... qu'est-ce que vous comprenez? Il faut ramener ma feuille. J'ai pas 72 ans, je suis pas noir, je suis pas célibataire, j'ai... Oh, rappelez ta part. Comment ça, c'est confidentiel et secret? Elle m'a dit, c'est pas grave, d'accord, ouais. Pourquoi... Allô? Pourquoi vous rigolez? Si vous avez rigolé à un moment donné... Ramenez-moi la feuille. Non, 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 ISPF, tu connais pas qui je suis, moi. Tu connais pas qui je suis. Moi, et Taravana, moi, hein. Moi, je suis un Taravana. Si tu ramènes pas ma feuille, moi, je... Si tu veux faire un papier, ton... Toué. Moto. Toué. Hein? Elle a raccroché. Elle a raccroché. Elle a osé me raccrocher au nez, quoi. Au nez. En plus, elle a rigolé. Elle a fait hey, si vous continuez, je vais appeler le médecin. Eh, hey, médecin, tentez. Ah, comprends. Ça, c'est, franchement, c'est vraiment une chapeline. Hein. Bon, je vais aller là-bas, en tout cas. Ouais. Ah, non, mais ça, c'est rien. C'est rien. C'est, j'ai fait... marqué, là. Hein? Allez. Alors, si une personne au nom de Raï vous appelle. Appelez d'urgence, tenter trop tard. Ou la gendarmerie, car c'est un fou. T'as marqué ça? Du coup... T'as dit ça à madame Yespère? Du coup, je vais aller ramasser les pelules. Moi, je suis un fou, moi. Est-ce que moi, je suis un fou, moi? Non. Moi, je suis pas un fou. Viens ici. Non. Raï et Nono, sous vos applaudissements, allez.